Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle et les messages de ce mercredi 27 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc avant de commencer, eh bien, la petite pensée positive de ce 27 novembre, baisser d'un ton, s'obliger à parler moins fort, ainsi tout le monde autour de soi a baissé également d'un ton. La conversation devient alors plus harmonieuse. N'êtes-vous pas de mon avis? Est-ce que ce n'est pas mieux ainsi? À méditer. Aujourd'hui, j'ai pigé expression et communication pacifique. Alors c'est important, n'est-ce pas, la communication. Je dis toujours que dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, familial, personnel, s'il n'y a pas de communication, c'est très difficile d'avancer, hein. S'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a qu'un monologue, et puis il faut avoir une communication qui est vraiment pacifique, où on puisse dire ce qu'on a, ce qu'on pense, mais tout en douceur, n'est-ce pas? Et pas dans la, pendant, pas avec de l'agressivité, pardon. Allez, expression et communication pacifique. C'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Eh bien, grâce à cette fleur de vie, des rencontres positives se produiront à tous les niveaux, dans ta vie. Les mondes spirituels ont à présent renforcé ta communication pacifique, ainsi que ton expression affectueuse. C'est pourquoi un portail s'est ouvert à travers lequel tous les bienfaits que tu offres au monde te reviennent aussi en retour. Et c'est ainsi que, selon le principe de la réverbération, tu pourras alors retrouver toutes tes prières et tes pensées chaleureuses pour ton plus grand bien. Tout ce qui t'entoure sera traversé par cette belle résonance de ta communication positive et pacifique. Chaque matière, y compris ton propre corps, connaîtra ainsi une profonde orientation pacifique et un nouvel échelon supérieur. C'est dans ton passé, déjà, que tu as traversé la voie de ce cadeau. Chacune de tes pensées, chaque action, ainsi que chaque mot détermine cette expression qui est la tienne, orientée exclusivement vers la paix. Aussi bien tous les êtres lumineux des sphères célestes que toutes les créatures de la nature peuplée aspirent, n'est-ce pas, à entrer dans une communication beaucoup plus profonde et approfondie avec toi. Le temps est venu de profiter encore plus intensément de l'énergie de tes prières, de tes affirmations et de toutes tes possibilités d'expression personnelle afin d'élargir l'ouverture des portes d'une communication pacifique à tous les niveaux. Alors le défi, cette carte
eh bien, elle sera ton soutien lorsque les mots te manqueront. Comme cela peut arriver quelquefois, n'est-ce pas? Les mots te manquent. Eh bien, elle t'aidera également à libérer d'anciens blocages. Et pas seulement, il y a des vieilles peurs qui est en toi. Ces vieilles peurs sont en toi. Et peu importe leur origine, n'est-ce pas? Et indifféremment du nombre d'années qu'il te persécute, il y a des peurs, des vieilles peurs, des blocages. Cette carte, elle vient te donner également le courage d'exprimer la vérité. Il faut que tu exprimes ta vérité, mais aussi la certitude que tout ce que tu exprimes sera écouté. Tu as le droit. Tu as le droit d'affirmer partout et toujours ta vérité. Et il est très important pour toi, pour n'importe qui, de dire sa vérité, mais en douceur, dans la bienveillance, n'est-ce pas? Eh bien, cette fleur de vie érige un espace protecteur autour de toi qui te permet de te sentir à l'aise lorsque tu exprimes pacifiquement ton intime perception. Tu dois dire ce que tu penses. Tu dois dire la vérité et ce que tu as envie de dire, il faut le dire. Maintenant, tu n'es pas de responsable de ce que les gens vont percevoir, vont entendre, ils vont entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Mais toi, tu auras dit les choses. C'est pas ton problème si maintenant les personnes n'entendent pas ce que tu dis, interprètent à leur façon, voilà. Toi, tu auras dit les choses paisiblement, dans la douceur, avec beaucoup d'empathie et de la bienveillance. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui, eh bien, qui t'invite davantage à avoir une communication pacifique, n'est-ce pas? Et que ça soit dans ton domaine, encore une fois, professionnel, dans ta vie personnelle, sentimentale, etc., etc. Allez, je termine avec le message de ton âme et faire confiance en la vie. Ben voilà. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile que tu as passé, que tu as vécu. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Beau message, n'est-ce pas? Beau message de ton âme. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce hein, pour permettre à l'algorithme de YouTube eh bien, de faire connaître ma chaîne. C'est avec les pouces que l'algorithme va faire son travail et va mettre un peu plus ma chaîne en avant. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Donc je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.